Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Order Automatica qui est disponible en démo Steam et qui est censé être un auto-battleur roguelike avec des cartes. J'en sais pas plus que ça. On va voir ce que ça nous réserve. Alors, on a de jeu en 3x3, add unit cards to your grid. Donc, ici on a nos cartes qui sont donc on va les poser là. This grid belongs to me, donc cette grille c'est notre ennemi. Et over units to view their abilities. Et sur les ennemis, on voit ce qu'ils ont. Donc le chiffre en rouge, c'est notre attaque, le chiffre en bleu, c'est la défense. Alors, when held between battles, it fills one empty item slot with random item. Ok, donc va donner un item aléatoire à son détenteur, à son maître. When discarded from grid, gives a random unit on grid plus 3 attack and defense. Ok, donc lui, quand on va le retirer de l'aire de jeu, il va buff ses alliés. Cell numbers indicate attack order. Ok. En fait, les chiffres ici, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Le monstre le plus en haut et le plus à droite va attaquer en premier et ainsi de suite. Inversement pour notre ennemi. Reposition unit if you wish. On va attaquer avec le monstre avec le plus d'attaque en premier. Ready, start the battle. Start battle. Units will attack and do their abilities automatically. Ouais, donc c'est bien un auto-battler. Units do damage equal to their X attack number. Ok. On their turn, units will attack a random enemy in the closest occupied column. Ok, donc l'ordre d'attaque pour savoir qui attaque quoi, c'est tu attaques de manière aléatoire l'ennemi qui est dans la colonne la plus proche. Ici, il y a deux ennemis dans la même colonne, et tu vas attaquer. Enfin, mes monstres vont attaquer aléatoirement le premier ou le deuxième. They will die when their defense is zero below. Ok. Battle continue until one or both grids are empty. Donc on s'attaque jusqu'à ce que tout soit mort. You and I start with a set number of lives. Ok. Take all my lives over the course of multiple battles to achieve total victory. Donc on va mettre la vie, les vies de l'ennemi à zéro. Voilà, try to take yours. Ok, super. Silent executioner attacks random enemy. Closest occupied column. Mes monstres par contre ils n'ont pas d'ability et lui, upon death summon war automaton with one health attack to all empty spots in his park. Ok. D'accord. Voilà. Laisse le fight dérouler. Un truc. Okay. Auto-battleur très classique hein, pour l'instant. Are resurrected after each battle, ok. Items can be given to units on your grid. Qu'est-ce qu'on a comme item? Avant le combat, plus un attaque à tous les alliés d'une colonne. Okay. Avant le combat, plus un défense à tous les alliés d'une colonne. Alors, adding items and units cost essence. Ok. Get a set amount of essence. Donc, ici on a notre compteur d'essence. Get a set amount of essence each preparation phase. Donc, à chaque tour, on gagne de l'essence. Utiliser de l'essence pour acheter des unités, j'imagine, et des items. Une essence will be lost. Start the battle when you've used all the essence you can.
D'accord. En fait, il faut consommer toutes nos ressources avant de lancer un fight à chaque fois. Give all adjacent allies plus 2 defense. Ok, on continue comme ça. Same preparation phase as you. You can watch me prepare or skip it. Oh, d'accord, en fait, on joue vraiment contre un adversaire, c'est pas. Comment dire. Ça est généralement dans un auto-battleur qui est PvE, des ennemis qui sont sur un plateau, mais l'adversaire n'a pas, ne joue pas réellement, alors que là, c'est le cas en fait. Là, sa preparation phase, on le voit consommer des essences, tout ça. Oh, il a fait quelque chose là, il a fusionné des unités. Oui, j'ai pas vu ça. Those are all the basics, alors que je viens de le voir faire une fusion de monstres, je crois. Learn more, get reminders by clicking the question mark icon when you see them. May chaos be your guide. At the start of each round, if you kill 5, attack random for 3 damage. Je vais acheter ça. Oh, pas de plus. Je vais acheter ça. Ouais, quand on a 3 fois une unité, la combi. Très classique pour les auto-battleurs. Hein. Rien de particulier dans ça. Pas de special ability. Give a just analyze. Ouais, c'est dans cette. Configuration et normalement on va voir si okay. Visuel est minimaliste mais c'est sympa. On va voir est-ce qu'il y a plusieurs mécaniques qui vont venir s'ajouter au-dessus de base, mais globalement ça a l'air de bien fonctionner. Alors when enemy attacks, draws enemy attacks to ally with this item. D'accord, donc tu taunt avec ça. Pas sûr. Pedro. Does 3 retaliation damage to last attacker. Ça me permet de quand un ennemi m'attaque, j'inflige 3 dégâts. Ok, donc je me positionne là. J'ai de la défense. Est-ce que je peux retirer? Je ne peux pas apparemment retirer un item que j'ai attribué à un de mes alliés. Okay. Pas grave. Par contre, je vais là pour être adjacent avec le Cell Welder et bénéficier des 4 de défense. On va faire ça comme ça. Faire le board pour
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà hug. C'est une idée. On va reroll une fois. Qu'est-ce qui fait? Attaque un random enemy for 3 damage. Pas spécialement intéressant, pas plutôt. Ok. Ici on a ce monstre qui va passer à de défense. Qui est pas mal du tout. Ça devrait nous suffire à clear le board. J'ai hâte de voir quelle va être la structure du jeu. Est-ce que la démon a... Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être des fights contre des ennemis comme ça qui vont se... Le pacing est peut-être un petit peu lent. Ah, là ça s'éternise. On aurait pu en faire beaucoup. Ouais, j'avais déjà compris le système. C'était peut-être pas nécessaire de rendre le tutoriel aussi long. Pas très grave. On va garder la même formation. On va voir ce qui se passe. Ok. L'ennemi du tutoriel est mort. Qu'est-ce qui se passe dans la démo? Lisbonne, juin 1880. 1880. Bah, vous m'excuserez les gars, on va passer l'or. Vous me connaissez. Le lore dans une démo d'un auto-battleur, franchement. Je pense qu'on va pouvoir s'en passer. Alors. Niche's rank, ok, on a quelques challenges. Win a battle with leftover essence. Personalized defense to touch to higher. Win a battle with three or more allies still alive. Donc, les objectifs, c'est gagner un combat avec 3 défenses ou plus restantes. Augmenter la défense d'une de nos. Et à 33, ça a l'air assez élevé. Peut faire et gagner un combat avec 3 ou plus unités vivantes. En fait, chaque niveau c'est un fight entre guillemets, un fight contre un ennemi particulier. Pick an indulgence, je sais pas ce que c'est. L'ennemi a pick un autre. Alors, point d'interrogation. Indulgences are persistent power-ups that usually affect your whole grid. D'accord, donc ça va être un pouvoir qui va rester tout le reste de la game. Soit défausser une unité de l'aire de jeu donne plus de défense, pas par niveau. Ok, donc une fois par fight, j'imagine, c'est ça qu'ils appellent un niveau. Et chaque invocation gagne un d'attaque et un de défense. Allez, on va prendre ça. J'ai l'impression qu'à chaque tour, on va avoir une upgrade en fait, peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces unités? When ally summons buffs new quest adjacent summon plus one attack and defense. Ça va buffer de 1 plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour toutes les summons réalisées par une des alliés. Et pourquoi pas?
gros. Tiens, dans le jeu, on n'a pas de possibilité de bloquer des unités ou quoi que ce soit pour le tour d'après. Ok, le fight se passe. Si on perd. Pas de problème. Ici on perd pourquoi? Parce que ici le Cell Welder du coup donne un buff de défense à cette unité, donc il a plus de victoire. Normal. Alors. All retaliation damage is increased by one et j'ai pas de retaliation damage pour l'instant, donc on va reprendre cet upgrade. Donc maintenant tout est su. D'attaque et plus 1 de défense, enfin plus 2 d'attaque et plus 2 de défense. Très bien, on trouve une unité qui fait des summons. Sympa. Alors, ok, bah parfait. Summon War Automaton with one attack. And... déjà, on va acheter cet item. Et on va acheter. D'accord, ici j'imagine que c'est cette piste dont on parlait, le fait de pouvoir garder quelque chose. Place unit or item from your grid or hold spot. Non, non. Place unit or items in the hold spot to keep them between battles. Ok. On peut poser une unité ou un item spot pour la garder au tour d'après. C'est un peu dommage de. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un choix. Je préfère quand. Un jeu va te présenter de lui-même toutes les possibilités, surtout quand il y en a aussi peu, ça sert à rien de... Enfin, tu ne fais rien découvrir en fait, tu tardes juste temps et en fait il y avait tellement de tours dans le tutoriel initial qu'ils auraient tout simplement pu nous introduire à toutes les mécaniques. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, pas très grave. Et on peut lancer le fight. Donc ces ennemis là donnent une unité au hasard quand ils meurent et eux ils buffent, ils donnent deux défenses aux adjacents. Pour l'instant on n'est pas censé avoir assez de dégâts pour les gérer je pense. Nos automates là ils vont être forts. Tac. Okay. Et là je suis mon. Les deux War Automaton qui sont du 3-3. Il faut un build summon, ah, tout simplement. De partie je peux vérifier du coup les achievements que je suis censé faire. J'ai réussi à faire celui là. Les deux choses qui nous restent c'est avoir 33 de défense avec une unité ou gagner un combat avec 3 ou plus d'essence restante. Alors give a lie in cell 5 plus 2 health at the start of preparation. Ok, scouting an ally on your grid gives plus 2 essence once per level. Ah, ça m'intéresse pas vraiment. Give a line cell 5 plus 3 health at the start of preparation. On va prendre ça. Ah, on peut noter les petites. Pas vraiment une erreur. Hein. Ici, ça parle de donner plus 3 health alors que les unités n'ont pas de vie. Les unités ont de la défense. C'est pas mal. Si je vais upgrade cette unité, là c'est ici. War an attack to OM spot in it. Oh. Je vais être comme ça.
Parce que mes summons se font dans ma même ligne. Donc ma ligne, la ligne derrière mon Recusant Friar, entièrement libre pour avoir les deux summons. Le positionnement devrait maximiser Give a random unit on grid plus tu attaques un lead. Ça c'est pas trop mal. Là, je m'en fiche. Ouais, ce positionnement là devrait nous permettre de maximiser le nombre d'unités qu'on va summon. Voilà, là on automate, on summon automate aussi. On a posté notre première unité sur la case 5 pour récupérer du coup les 3 points de vie supplémentaires. Et on n'est pas trop mal. Next turn. Et on va encore buff le summon, il n'y a pas de problème. A random light and empty cells, ça me va aussi très bien. On va le mettre ici. Port matin point attaque. Mettre ça aussi, on a toujours plus de summon qui est exactement le nom. Ça c'est à la mort que ça proc, donc ça m'intéresse pas forcément. Et les unités ici servent pas trop avec mon but orienté autour des invocations. On va juste rester comme ça. Ok. Deux summons sont là. Notre unité meurt, elle va invoquer un ennemi random. Voilà. Ennemi random, on va repasser en normal parce qu'il s'est passé un truc intéressant. J'ai eu trois automates qui étaient dans la même colonne et du coup ils sont fusionnés pour faire un automate de niveau 2. Donc en fait tu peux fusionner les unités dans les deux sens. Si trois unités identiques sont sur la même ligne, elles fusionnent. Si trois unités identiques sont sur la même colonne, elles fusionnent. Ok. Super intéressant. Parce que du coup mon setup m'a permis d'avoir à laquelle je m'attendais pas du tout. Oh. La mécanique est intéressante. Je pense malgré tout que les fights sont peut-être un peu trop longs. Je parle pas des phases de combat, mais vraiment du nombre de fois que tu dois retirer un HP à l'adversaire pour avancer. Peut-être que le jeu gagnerait à avoir un pacing plus rapide. Exactement ce qu'il fait. Alors lui il buff les unités adjacentes de 1 à chaque fois qu'un ally fait une invoque, et du coup les invoques il en a quand ces deux là meurent, c'est tout. Il va poser deux buffs. Alors on va continuer à buffer petit d'une et son buff newest adjacent summon for plus one attack and en fait j'en veux pas d'elle. Je vais faire ça pour summon un war automaton de plus quand je meurs, et normalement ça devrait faire que à la mort de cette unité, elle invoque 3 automates qui doivent fusionner en un seul automate.
Si j'ai compris comment c'est censé marcher. On va faire la même en haut. Ça fait bien ça, ah ouais, on est d'accord. Hop là. Right. J'ai bien compris, c'est ce qui doit se passer. Hop, il meurt. Hop. Trois automates. Ah, mais ils sont pas apparus au même endroit. Pas de problème. Il meurt, il invoque un automate. L'enchaînement c'est un peu le bordel, mais en tout cas le build summon et stacker les buffs dans toutes les summons c'est assez intéressant. Ça va passer ça. Oui, ça va, j'ai 8 de défense. Ah non, c'est pas passé. Ce n'est pas passé. Ok. Je try again, on repart directement pour ce fight. Ouais, j'imagine. Alors attends. On va revenir en arrière. On va retenter, non? Y a que ça à faire dans la démo, j'ai trois premiers fights. On va essayer de peut-être mieux répartir les indulgences ou les buffs initiaux qu'on va prendre. Peut-être aller chercher autre chose. Pourquoi pas aller chercher ça? Adjacent summon for plus one attack. Okay. On va faire ça et ça. L'une fois et c'est une idée et s'arrêter là en direct, ça va pas servir à grand chose. En fait, avec le buff des summons, on va sûrement gagner le premier. C'est difficile de pick son power-up avant de... Enfin, tu me diras, c'est logique. Pick ton power-up avant de voir les cartes que tu vas piocher. All utilization damage is increased by one. On va prendre ça, histoire de pas prendre de buff. Attack random for 3 damage. Ça, c'est pas mal parce que du coup... Pouvoir tuer deux ennemis instantanément, les ennemis ont maximum 2 de vie, et avant le combat j'attaque un ennemi au hasard pour 3 de dégâts. Ok. Parole une fois. Et on va rester comme ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Ok, donc on deux ennemis directs, un autre dessus. Ok, ça s'est un peu mieux passé. HP, donc là son résumé c'est vraiment il y a 8 HP là
Donne de la défense à tout le monde. Il va avoir 12 HP, ça commence à devenir. Ça commence à faire beau. On va buffer les summons. On va. Random. Attack. Déjà, je vais acheter celle-là. Je vais lock celle-là. Roll. Just one empty items. And then mine. Retaliation. Retaliation damage to last attacker. Ça, ça m'intéresse. Parce que je peux placer ça sur un ami ici qui va maintenant faire des retaliation damage. Positionne comme ça. On va voir ce que ça donne. Et... arrive. Force du centre fait bien les dégâts en retour. Pause. Prend 5 de dégâts et ouais, maintenant j'ai assez de damage. Tuer son monstre qui avait 12 HP. Donc ça c'est. Qu'est-ce qu'on va faire au tour d'après? C'est quoi le plan? J'aimerais bien pouvoir upgrade cette unité là, ce qui va rendre plus forte mes summons. Faudrait peut-être que j'upgrade l'altar beast là. Le summon gagne plus mon attaque ou plus d'HP. Bonne question. On va prendre le buff au sum. Je pense que je vais prendre ça. Gros. Aïe aïe aïe. On va le placer ici. Def à tous les alliés dans la même colonne et dans la cellule numéro 5 j'attaque un ennemi pour 3 dégâts, ça c'est pas mal. Chaque round. Est-ce que j'en reste là? Oui. Normalement, à la mort de cette unité, j'ai un buff de def sur tous les alliés, ce qui a bien eu lieu. Ok. Maintenant, je fais mes summons. Là, pas de problème. Voilà, deux petites sumo, parfait. On claire le bord d'ennemis. J'ai peut-être fait de la merde en positionnant et qui donne de la défense à mes alliés. En fait, je vais augmenter ses HP, ce qui en soi est une bonne chose. Et le buff de défense n'apparaît que à la mort de l'unité. Si j'ai beaucoup d'HP, il meurt vite et du coup, le buff de défense aura lieu plus tard.
pas forcément arrangeant. Discarding an ally from your grid gives plus to essence. Non, on va pas augmenter les retaliation damage. Ouais. On va prendre ça. Va faire une petite plus. Est-ce que je vais... Non. D'abord, je vais poser ça. Ah, à qui je vais le mettre? Je vais le mettre à lui. Et au tour d'après, je vais les upgrade en fait. Pour l'instant, bah, je reste dans cette formation. Je vais plutôt attaquer en premier. Ici. Position là. Peut-être comme ça. Pense que comme ça devrait aller. Je veux pas gaspiller ma suite et ça. Plutôt pas comme ça. Ça devrait bien se passer. On va tester. Donc, mes deux monstres attaquent en premier pour 3. Aléatoire, pas de soucis. Les suivants se font tout de suite. Celui-là il meurt. Puis il buff les monstres adjacents. Ça a attaqué. L'automaton est summon. Elle. Alors deux summons doivent arriver là. Voilà. Ils sont bloqués, bien sûr. Ça passe. Plus que deux tours. On a dit ce tour-ci on va level up notre Rekuzen Fryar là, celui qui invoque les automates. Et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre. Buff des retaliation damage, ça je prends. On va faire ça. Level up. On va faire oh là là, est-ce que ça vaut le pas battles, non ça m'intéresse pas. Je vais peut-être faire ça. Très certainement faire ça. Ça. Et ça en fait tout simplement. Ça je vais le garder parce que je vais avoir besoin. Roll une fois. Je vois ce qui se passe, rien d'important. On va partir comme ça. Ça va aller parce que j'ai cette unité là au centre qui est extrêmement tanky et je fais beaucoup de damage, beaucoup de retaliation damage là. Je fais quoi? 2, 4.
5. 5 de retaliation damage. À chaque fois que quelqu'un m'attaque, je lui deal 5. C'est assez violent. Un dernier tour. On va faire n'importe quoi. Et ça devra aller. Ok, lui aussi il commence à rendre le buffer la tanky, mais c'est trop tard gars. Il fallait le faire avant. On va buffer encore nos summon, parfait. C'est quoi? Besoin d'utilisation damage to base attacker, non. Ça m'intéresse pas. Plus one defense to all allies in column. Ouais, ça m'intéresse pas des masses, non, à vrai dire. J'aimerais bien avoir l'unité qui summon. Voilà, celle-là, là. Demi-summon. Qui summon aléatoire. Ça m'intéresserait bien. Prendre le summon. Aïe aïe aïe. Si j'avais un d'essence en plus, là j'aurais été bien là. Ah, oh, il était le summoner, il était là. Bon, espérons que ça passe. Espérons que ça passe. On a quasiment pas upgrade ce tour-ci, c'était jamais une très bonne chose. Dans un auto-battleur, de passer un tour sans upgrade, même si vous êtes devant. Faut toujours faire en sorte de d'avancer dans sa compo quoi. Ok. Automate le premier qui est mort. Ouais là mais notre buffer là du milieu il est tellement tanky. C'est tellement mal. Hop là. Ouais. C'est gagné, bien c'est gagné. Il deal 5, il prend 5. Voilà, voilà. Bon. After some time, I was able to play the game's second challenge. Ok, 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 ok. C'était le deuxième rituel du coup. Donc le troisième rituel. Et c'est la dernière partie de la démo, a priori. On va s'arrêter là. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? La mécanique d'auto-battleur, elle est là, elle fonctionne bien, y a pas de souci. Le fait de positionner ces unités et que ce soit la grille qui définisse l'ordre d'attaque, c'est un peu différent, mais globalement c'est très classique. Franchement, ça réinvente pas la roue, hein, mais ça fait ce que ça doit faire. Je sais pas exactement qu'est-ce qui confirme en termes de rythme pour le jeu. Si on est. En fait, on n'est pas du tout sur un rogue. A priori, en tout cas. Parce que là, on a des fights qui sont assez longs. Là, on a fait du coup deux combats. Sans compter la game que j'ai perdue. Ça a pris quasiment une demi-heure. Donc, je sais pas quelle structure le jeu aura. Est-ce que ça sera un rogue? Est-ce que ça sera un truc à faire d'une traite? Mais en tout cas, le game loop est en place. Les mécaniques de jeu, elles fonctionnent bien, hein, y a rien à dire. Reste à voir comment ils vont faire pour améliorer, pour donner plus de diversité dans le gameplay, et puis essayer de se démarquer un petit peu. Que ça ne l'est. Au-delà de l'art style, on est sur un truc qui est assez générique quand même en termes d'attente, quoi. Si vous avez déjà joué à notre auto-battleur, vous serez comme chez vous. Donc, à garder à l'œil. Order Automatica, je sais que c'est fait par
par des devs qui sont juste deux. Donc bon, le jeu devrait pas coûter très cher au moment où il va sortir. C'est pas, ça peut être toujours intéressant pour varier les plaisirs. Alors n'hésitez pas à wishlist. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres sessions découvertes vont arriver. Puis passez une bonne soirée. Peace.